Depuis le matin, tout a été bien commencé. Jusqu'à présent, les électeurs ont venu voter, même si pas en grand nombre. Mais jusqu'à présent, ça va. Vous n'avez pas rencontré aucune difficulté dans le travail aujourd'hui, hein? Non, jusqu'à présent, tout bagaille allait bien. Non, mot d'encouragement, c'est que je dis tout le monde quitte la caillou, vienne voter parce que c'est vote là qui permet que nous allions plus loin dans ce qui a fait dans le pays. Mesdames, spécialement, mesdames. Bon, mesdames, je ne peux pas dire surtout, mais c'est tout le monde qui peut supposer, tout le monde qui est dans l'âge pour voter, qui peut venir voter. Écoutez, on était depuis ce matin à 6h à Cité Soleil. On a fait d'autres bureaux de vote pour voir un peu comment les choses se passent. On fait ça à chaque fois pour vérifier que est-ce que les conditions sont là. On a regardé si le matériel était disponible, comment fonctionnait chacun des bureaux de vote. Et je dois dire que globalement, on est plutôt satisfait de ça parce que l'organisation est bonne. Les gens savent ce qu'ils doivent faire. Les gens trouvent leur nom sur les listes, donc ils peuvent accomplir leur devoir citoyen d'aller voter. Donc tout ça est une bonne situation. Maintenant, la situation est paisible aussi. Ça, c'est un autre élément. Je crois que dans le pays, en général, on ne m'a pas indiqué d'incident majeur. Donc je crois que les choses se passent bien. Et la police nationale est présente et assure effectivement la sécurité des citoyens. Donc toutes les conditions sont là. Maintenant, ce qui manque, évidemment, c'est des votants. Il faut qu'on ait un maximum de participation. Et j'espère que dans la journée, le taux va augmenter. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes satisfait du déroulement donc, des élections? Oui, comme je dis, sur le plan technique, tout a été fait, tout a été bien fait. Je pense même les formations du personnel ont été bien conduites. Chacun sait quel est son rôle dans le bureau de vote. Maintenant, ce qui est important, c'est le lien entre le citoyen et l'élu. Et pour ça, il faut qu'il y ait une confiance entre l'élu et le citoyen. Il faut que les gens se mobilisent parce qu'avec leur vote, ils doivent changer l'avenir du pays. C'est ça qui est en jeu. Donc il faut qu'ils bougent et qu'ils viennent ici pour voter. Écoutez, sur le côté sécuritaire, de ce que moi j'ai vu, en tout cas sur la zone de Port-au-Prince et de Pétionville, les choses sont plutôt calmes. La police est là, les agents de sécurité sont là, ils font leur travail de manière très consciencieuse. Donc de ce que j'ai vu, moi je n'ai pas vu de difficultés à ce stade. Maintenant je ne suis pas partout, donc il faut vérifier, attendre que les rapports viennent de l'ensemble du pays. En termes d'explication, nous sommes au Collège de Prince. Centre de vote, ça, c'est un centre qui se situe dans la ville. Donc, le fait que se dans la ville, nous faisons élection pour deux et pour deux candidats. Nous avons élection pour deux candidats, qui c'est délégué ville avec Tia Sénat. Donc, là, côté nous, c'est dans la ville. C'est vrai qu'il y a un côté, il y a un centre de vote qui est dans la section communale. Mais, je n'ai pas suffisamment d'informations pour me dire mais qui côté est situé. Mais tout ça que je connais, c'est que le centre de vote Le Prince, c'est un centre situé dans la ville.